Kiki Gaming, il faut refaire mes murs parce que je suis un très grand fan de Ferrari et là, pour moi, la 458, c'est la voiture de mes rêves. Donc, voilà, ça y est, ça rejoint. Voilà, ils sont beaux, ils ont le poil soyeux. Mais est-ce qu'il y a encore vraiment une communauté sur Assetto au-delà des ligues en fait? Est-ce qu'il y a encore des gens qui prennent le temps de. Je pense plus. Bon, du coup, c'est ouvert, donc il n'y aura pas que des abonnés, mais au moins il y aura du monde. Dans Jason qui va se coucher, c'est ça? Après, s'il y a certaines personnes qui réussissent pas à rentrer, on virera d'autres personnes. Assetto, ça devient chiant, quoi. Plus la communauté qui se dégrade. Mais je comprends, ça. Après, Assetto, il y a des super choses qui se font en ligue, honnêtement, moi, voilà. Ah oui, Zoltan qui arrive carrément de. Et Racing. Ah ouais, carrément. Bah ça coûte cher. Hein. Non, mais apparemment il parle de la communauté pénible, pour être poli. Ah, c'est sûr. Bah on l'a encore vu ce soir. Hein. Bah, d'où le SR, quoi, faut l'augmenter. Bah, regarde, si on roule en ouvert, c'est compliqué. Hein. Tu vois, regarde, il y a Coco Hand qui nous dit « Moi, perso, je joue assez tôt sur PS4 et je fais plus de hot lap que de multi. » Ah, tu vois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Par contre, au niveau des ligues et des championnats, c'est de mieux en mieux. Mais effectivement, il y a de très 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 bonnes choses à retenir sur assez tôt. Hein. On n'a pas dit qu'il était mauvais. Ouais, mais c'est ça, il faut toujours avoir une ligue, toujours avoir machin. Tu peux plus, maintenant c'est quasiment. C'est partout pareil. Hein. On a jamais dit qu'il était mauvais, Assetto Corsa. On a juste dit que Assetto Corsa, tel qu'il est maintenant, n'est plus en état. Moi, quand je faisais mes courses en ligne au début, c'était jouable. Maintenant, ce n'est plus possible en fait. On y va du coup sur. Ah, écoute, moi, oui, je vois qu'on est déjà plusieurs, mais. On peut se mettre prêt, il n'y a pas de souci. Vu que j'ai pas le choix du véhicule, donc c'est pas grave. Il y a Jérôme Morin qui trouve pas votre session. Tu peux envoyer à Emmerich le lien de mon ton Steam. Il a. En fait, il faut que vous vous rejoigniez mon. Ah non, c'est bon, il a trouvé. Ah ok. Vous êtes pas obligé de me demander un ami d'ailleurs. Hein. Alors j'ai investi 240 et je ne m'amuse pas. Tout à fait d'accord avec Zoltan. Tiens, en cours sans de les insulter par les jeux. Ah oui, ça ouais, c'est voilà, ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Zoltan. Tout à fait d'accord. Après, ça dépend ce que tu recherches. Moi, perso, j'ai. Bah, on sait que les endus où les gens vont passer 2-3 heures, on a plus le. En fait, ce qui est horrible, c'est que plus on passe de temps, plus on pense qu'on va être tranquille et on l'est de moins en moins, en fait. Et c'est ça qui est déprimant, c'est qu'iRacing, on a investi, moi, beaucoup moins qu'Emeric, par exemple. Oui. Non, mais c'est sérieux, Emeric, t'as investi quand même énormément pour quelque chose qui est pas forcément à la hauteur de ce que t'attendais, quoi. Donc, ceux qui disent sur iRacing, c'est prout-prout, c'est machin, évidemment, peut-être qu'en ligue, on split 1 ou 2, mais vous êtes 60 par jour à avoir quelque chose de correct. Pour les autres, faut tout foutre à la poubelle, quoi. Ah, moi, perso, niveau rendu et blanc-pain, j'ai trouvé mon truc, ça c'est clair. Après, en oval, non. En open wheel, non. C'est pour ça que j'en achète pas. Parce que déjà, j'aime bien la F1, mais c'est tout. Non. D'accord, y a pas de. D'accord. Hein ? Bah, le départ est pas mentionné sur. Ah ! Sur Dirt Rally, tu lances et y a pas de décompte, y a pas de lumière, y'a rien. Super. En fait, t'as l'impression que sur les courses tendues, les gens ils sont plus sages sur les racines. Les courses longues. Bah, les courses chiantes en fait, les courses où t'as pas des kikous qui viennent pour rouler une demi-heure ou 20 minutes quoi. C'est ça. Moi, c'est ça que je recherchais, ben j'en suis content. Ah oui, je te vois le départ, ah oui, d'accord, ok. Mais t'as vu le départ quelque part toi? J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Tu pars pour la troisième place en ce moment.
Non, mais Dirt 4, c'est un super jeu. Pourquoi t'es dehors? Non, non. Juste un super jeu. Pas d'abandon. Les freins à main sont bien. Ah, bah ça viendra peut-être après, Jonathan, je sais pas. Moi, je comprends tous les gens qui ont mis des pouces rouges sur le fait que j'avais dit que c'était un jeu de merde. Franchement, c'est un super jeu de Dirt. Assez tôt, pas mal aussi tué le modding, a toujours modifié le fichier audio, ouais, c'est pas faux. Et c'est vrai que ceux qui avaient réalisé un projet, qu'il avait finalisé et qu'il avait mis à la disposition de la communauté, si tous les trois builds il fallait le refaire, c'était très compliqué. Et ça a posé d'autres problèmes aussi en plus. Hein. Moi, j'ai un speaker visionnaire dans mes écouteurs. Mon speaker m'a dit si quand tous les autres auront pris leur joker, vous devez finir deuxième. Bah, c'est-à-dire que vous avez déjà tous pris votre joker. Donc, et que le mec qui sautait à ce clouton tout à l'heure avec sa petite Clio blanche a disparu. Ouais, bah de toute façon, parce qu'en endurance, c'est drapeau bleu avec le trait jaune. C'est pas obligatoire de laisser passer. C'est ça la différence. C'est pas un bleu coupé. Ouais, j'appuie sur le bouton pause, je suis un gros con. Non mais pour le départ, regardez les feux, c'est sérieux. Je croyais qu'on était toujours en synchronisation, excusez-moi. Hein, mais... Est-ce que ce stream est sérieux? Quoi? Hein? Est-ce que ce stream quoi? Est-ce que ce stream est sérieux? Non, c'était une boutade à la base, mais... Référence audio, référence musicale, on aime pas. Voilà. Ah non, moi je... J'essaie d'ajouter un brin de poésie. Mais je suis d'accord avec ce que dit Zoltan. Effectivement, trop de gens odieux et élitistes et rageux. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a énormément sur iRacing. Énormément. Ouais. Tricol qui dit par contre, certains me dégoûtent par leur attitude qui se prennent pas pour de la merde. Ça, c'est vrai. On en connaît. Hein. Oh non, j'ai ce que j'allais dire. On en connaît. Après, il y a quand même moyen de s'amuser, mais... Les pneus aussi, c'est vrai, il y a Monsieur Chisep qui dit ça sur le chat, les pneus aussi, avec les versions de pneumatiques pour les mods, ça a été très compliqué. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'ils ont laissé beaucoup de mods illégaux se créer pendant toute une période sans modifier ces deux éléments-là, et un jour, ils ont remodifié ça dans les dernières builds, et ça a tout chamboulé. Il y a énormément de mods qui ont disparu, malheureusement, de très bons, qui n'étaient plus exploitables. Mais bon! Oui, mais les mecs qui t'insultent si tu ne laisses pas passer, ça c'est vrai. C'est à eux de trouver une façon de passer, ça c'est doublement vrai. Voilà. Mais. Bah, j'avais explosé le carré. Baxou! J'ai un cerf sur un Assetto Corsa! C'est non! C'est gentil! Mais c'est gentil! C'est tellement mort! Ah, il y a des nouveaux abonnés, c'est bien! Ouais, j'ai vu plus un noix de coco. KTM, vous l'êtes vous-même à propos de quoi? Salut Nathan, passe une bonne nuit, merci d'être passé. Bonne nuit. Merci. Y va? Mais ouais, mais j'attends. Pour clore le truc iRacing, moi c'est un ovale très déçu. Pas du jeu, hein. Le jeu j'en suis pas déçu. Attention, l'ovale qu'on fait nous, c'est de l'ovale sans ranking. Hein. C'est pas de l'ovale avec safety, avec neutralisation, etc. Hein. C'est pas de l'ovale très sérieux. Après, on gueule sur l'ovale sur iRacing, mais en vrai c'est pas si loin que ça. C'est pas pareil. Mais c'est pas si loin que ça. T'as souvent des incidents parce que quelqu'un se fait pousser la gueule. De façon dégueulasse, tout comme oui, ça. Il y a une bouteille sur l'intérieur de l'oval, faut arrêter la course. Ils sont très à cheval. Non, ils sont très à cheval sur les débris, etc. Salut, attends. Mais non, moi ça va en. Enfin, ça me l'a pété, mais en. Là où je suis, en. Blanc pain sprint et tout ça, non, je. Ah, bientôt les 20K, mais le jour où t'as les 20K, faut faire le stream 24h. On verra. Ah mais
Par contre, si je fais un marathon de 24 heures, je fais pas que du sim racing. Hein. Il y aura du FIFA, il y aura du Overcooked, il y aura plein de trucs. Hein. Je sais même pas comment tu veux faire 24 heures live en fait. Un marathon, hein. C'est sans t'arrêter. Ça se fait, bah oui. Bah, tu fais, tu fais 20 minutes de pause. C'est rouge, tu le vois où le rouge en haut? Là, je ne vous entends plus. Hein. Allô? Alors, c'est tous fait avoir. Wow! Putain, arrêtez de pousser! Sans déconner! Ça sert à rien! Ah oui, en fait le feu il est au loin sur. Il n'est pas affiché en bas, ouais, d'accord. Bonne nuit Zoltan, ouais, mais tu vas pas le rester longtemps. Promis, on a déjà. Promis. Non, mais est-ce que c'est sérieux, honnêtement? Je suis à un point derrière toi. Désolé, mais en rallycross, c'est un peu compliqué de lire le... Elle est vraiment bien, la Focus. C'est la première fois que je roule avec. Je l'ai acheté juste avant le... bien avec le bruit du moteur qui est assez important. Pourtant je l'ai mis au minimum dans le jeu. Ça c'était bien raté comme transfert. Et bien joue un peu. Oui, c'est clair, le... tu peux rouler de nuit sous la pluie, ouais, c'est clair. Je sais que sur les Racing, la transition jour-nuit, elle arrive. Ce sera... Enfin, elle arrive. Allez, annoncez. Ouais, ce sera peut-être, ouais, ce sera peut-être pour les 24 heures du Mans. Quel jeu de merde. Voilà. La pluie, c'est pas bon. À ce point-là? Hein? First feedback, si mauvais à ce point-là? De quoi? Bah, Dirt 4, tu dis jeu de merde. Ah oui, ah non, c'est dans sa globalité, hein. Si c'était que le force feedback. Incroyable. Ah non, j'ai aucun ressenti, je trouve le jeu très mauvais. Ça a jamais changé, hein. J'ai beau avoir mis installé des trucs, mis des machins et tout. C'est vrai que c'est le premier stream, enfin ouais. La première nuit des abonnés aussi salée pour moi, effectivement. Ouais, mais. Il y a eu du duel ce soir, ouais. En même temps, on voulait. En fait, c'est parce que je fais pas ce que. Fondamentalement, je fais pas ce que je voulais prévoir. Je fais ce que vous me demandez, en fait. iRacing, je voulais pas le faire en live, j'en ai fait. Du coup, ça fait un jeu en plus à faire. Faut le faire à certains horaires. Du coup, il y a moins de gens pour certains autres jeux. Par exemple, Zoltan, on n'a pas le temps de se dire qu'on peut attendre 20 minutes pour trouver une session et rouler parce que 20 minutes, c'est très long à cette heure-ci, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, mais effectivement, c'était une première au niveau de l'organisation avec iRacing, donc ça a changé un petit peu les habitudes. Donc effectivement, j'ai ouvert ma gueule à 22h en disant « Eh, c'est super, on tient le timing !» Depuis, on l'a perdu. C'est vrai, hein, donc c'est dommage, mais bon. En tout cas, vous êtes là, vous êtes encore 120 et c'est quand même cool. Je reprends quand on tient...
Je réponds plus, écoute. Non, mais c'est pas méchant, mais à un moment donné... Ah tiens, pourquoi pas. Et Racing, il faut attendre les bons circuits, les bonnes voitures au bon moment. Ah! Sinon, nous serions pauvres. D'ailleurs, en parlant d'être pauvre... Faites des dons. Ah, pas du tout pour ça, non. Je disais d'ailleurs, en parlant d'être pauvre, on n'est pas loin de l'être, hein. Ah, bon, je le suis. Re Kevin, je suis passé du T300 au PC Racer et c'est le jour et la nuit. C'est une bonne alternative au Direct Drive pour qui en veut un plus tard. Ouais, je suis pas si mécontent que ça. Est-ce que l'un d'entre vous peut gérer le chat, s'il vous plaît? Ah, ou oui. Pas. Merci. Dans ce cas-là, tu fais exclu, hein. Yep. Voilà. Faut pas faire bloquer. Bloqué. Le Direct Drive doit être un autre monde, effectivement, je pense. Ah ouais, le DSPC, je lande dessus, je me tâte. Qu'est-ce que je fais? Moté 10 avant? Mon cœur bat la chamade. Fanatec, j'ai pas envie. Belle collection, merci. Et encore, y'a pas tout! Là, y'a rien du tout, hein, Kevin. Y'a rien! Rien! Merci pour le live WTCC, c'est gentil. C'est bien Max, il y a plein d'abonnés, t'es le seul, tout seul avec les étrangers. Oui, bah oui, du coup. Parfait. Oh, incroyable. Le Discord, ça vaut que ça s'entend que ça fait un moment qu'on est dessus. Le son, il commence un peu à... Ah, Nina. Ah, à déconner. Si, ils ont rajouté deux circuits, ils ont rajouté le Portugal et ils ont rajouté l'Oyac. Oh là, que de con. Pardon. Ils ont repris les anciens, ils ont fait « Hé, Agis, on va rajouter deux circuits !» Mais c'est énorme. Mais on laisse les anciens. Hé, si on faisait du travail de qualité? Non. Oh lol, on est Codemasters. Faire de la merde en moi. Le mec est tellement saute. Mais c'est de la merde. Ah, et on est que 3 du coup dans notre session, ça va être bien. Ah, on est bien. Ah, on est bien. Ah, c'est lui qui va la dépendre. T'inquiète pas, on va trouver. T'inquiète, hein. Y'a pas un peu FA 2017 qui sort entre deux par exemple? Ah oui. Tu veux pas faire une FA 2017? Bien sûr que si. Oh, il est beau. Putain! Oh, je la perds totalement. Putain, c'est Ubisoft et Codemaster Sally. Ah, c'est ça. Bah, on aurait des jolis trailers. C'est la même chose pour moi. Dirt lapin crétin. Mais carrément. Ah, mais je le veux, ce jeu. Au moins, il faut les jeux de merde, mais ça sera assumé, quoi.
On en a perdu un dans la bataille. Par contre, les groupes B en rallycross, j'avais pas encore testé. C'est de la merde. Non, non, je dirais pas ça. C'est difficile à dompter, ce qui est logique pour des groupes B. Et... je m'attendais pas à ce que ça soit de la sorte. J'avais uniquement la 205 Turbo 16 en rallycross, qui est plutôt équilibrée d'ailleurs. C'est celle avec laquelle je roule, je t'en chie de ouf. Putain, mais tu peux rien faire, c'est ridicule. C'est juste que dès que tu touches les freins, le transfert est tellement ouf que l'arrière fout le camp. Et ce qui est ouf, c'est que dès que tu passes la ligne d'arrivée, t'as plus de son du tout. C'est... KTM, je t'invite à dire le fond de ta pensée, parce que depuis tard tu fais des insinuations, mais c'est incompréhensible. De quoi, moi ? Non, non, un mec, KTM 19, entre c'est pas beau, vous l'êtes vous-même, et je comprends pas pourquoi. C'est pas beau ça, bah c'est sûrement parce que j'ai été tapé contre le mec. Ah, ok. Il reste combien ? Il reste une manche, non ? C'est championnat de quoi ? Deux manches ou trois ? 3. Déconnexion pour Barry. C'est clair, Lucas. Lucas qui dit la honte de ce jeu, c'est qu'il n'y ait pas de voiture de WRC alors que la plupart y étaient sur Dirt Rally. Pourquoi ? Licence. Licence de WRC. C'est de la merde. 7. Je trouve ça vraiment con d'avoir la licence et de ne pas en faire profiter mais les joueurs. Alors les enfants, la licence WRC, elle est pas chez Codemasters. Hein. La licence WRC, elle est chez Kiloton. Hein. Ceux qui font WRC 7. Hein. Avec la Porsche de Romain Dumas. Ah, un DLC, bah c'est cool, franchement. Sinon, bah oui. Continuez, il arrive quand, là, parce que bon... T'as abandonné, on me dit ? Ouais, j'ai pas réussi à terminer. Quel jeu ? J'en peux plus. Ouais, de WRC sous licence officielle, ouais. Ouais. Ah, troisième du championnat, bah super, incroyable. Tu pourras mettre ton trophée à côté du trophée Pirelli. Hein ? Que j'ai mis à la poubelle, à Spa. Oui, on a fait tous les deux la même chose. C'est un magnifique trophée, à Spa. Ma quelle avatar ! Mais cassé! Faut avancer! Ben j'ai poussé, ça bouge pas, connard! Pour de batterie! Ah putain! En fait, ils vont juste faire gagner le gamin! Noah, on a joué. Enfin, ils ont joué tout au début. Ah non, ça met épreuve 3 sur 3, donc non, on a pas. De toute façon, Codemaster. Et moi, j'ai épreuve 1 sur 3. Oui. Et moi, j'ai épreuve 3 sur 3. Oh là là, c'est quoi ce jeu de merde là? Modifier session. Discipline. Elles n'y étaient pas sur Dirt Rally, hein. La seule que vous aviez, c'est la Ford Fiesta sur Dirt Rally. Heureusement que le contrat Porsche se termine. Ah, j'ai pas suivi ça. Bien sûr que oui, Emmerich, ça fait 5 ans qu'on ne peut plus avoir une Porsche dans aucun jeu vidéo à part les jeux sous développement Electronic Arts parce que c'est lui qui avait l'exclusivité de la licence Porsche. Oh non, mais pas ça, Andy, c'est injouable. Tu veux quoi ? N'importe quoi, mais pas ces petites merdes, c'est injouable. Ok. Donc pas ça à Nissan en fait. Ça ? Oui, ça si tu veux. Allez. Fais ce que tu veux, c'est comme tu manges quoi ce soir ? Ce que tu veux. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Bon, bah, McDo du coup. Ça me rappelle quelque chose. Ah, des pâtes, voilà. Ouais, du fromage, des pâtes. OK, t'aimes pas les pâtes, j'aime pas le fromage. Bah on sera deux être ravis alors. Oh. D'ailleurs, samedi, je viens faire une pot de scène hein, si tu veux. Ah. Oh, il se poignait le cul. En vrai, je fais une poutine, les amis, elle est délicieuse. Enfin, Emmerich est quand même vivant alors qu'il l'a goûté. Oui, c'est le mec, oui. Moi, je l'ai pas goûté, non. Je suis toujours vivant. Toujours la banane. On le sait, hein, Mikael, on l'a dit que le contrat entre Porsche et EA était fini. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des Porsche partout dans Assetto, Race Room, Forza. Barré, hein. Pour la première fois, je crois, dans Gran Turismo aussi.
Ouais, je crois qu'il va en avoir du coup. E-Racing Club, et Porsche Cup et Raceroom, j'ai hâte de... Parce que le son... Raceroom, la Porsche Cup, ça va être beau, je pense. J'ai hâte d'en commenter, lol. Tout ce que tu veux, mais pas ça. Pas ça. Pas ça. Ah mais du coup, là, on est tous ensemble. Ouais. Yes. Ouais. Attends, je réfléchis. La fausse mini. Alors, c'est ça. Fin novembre, c'est fini. Des installations de Raceroom, assez tout, tout plein point. Il va faire un only iRacing. Il va avoir un disque dur de 25 gigas avec iRacing. Ah oui, ça va être que ça de toute façon. Oh là, bon, mais bon, l'équipe Wurtz a beaucoup de représentants, dis-moi. On fait ça et ensuite on fait un rallye. Ouais, ça me va. Assetto était encore sous licence. Ah, je sais pas. Par contre, Assetto, j'aime. Ce qui était cool, ce qui est cool dessus, c'est les Lamborghini, c'est tout ça. Là, tu vois, je vois pas les feux. Ah, ouais, c'est ça. Ils sont à droite. Ah, oui, c'est qu'il y a infini les modèles. La Porsche sur le modèle. Ils ont acheté hein, sur scène en fait, le live. Ah, il y a eu des nouveautés ce soir. On a eu des erreurs. Ah, c'est comme ça que ça prend. Bien sûr que oui. C'est en essayant des nouvelles choses qu'on se plante et qu'on dit ah mais en fait je peux faire ça ou ça ou plus faire ça. Bah je pense qu'avec un live on est monté à plus de 370 viewers, on va pas se plaindre. Hein. 400. Pardon ? T'as monté On n'est pas passé les 400, ou alors je suis vraiment passé à côté qu'on était en course mais... Le plus que j'ai vu, si je crois que c'est 380 aidés, mais quand ouais, je préfère c'est toujours dire un peu moins. Ouais, ouais, ouais. C'est pas la quantité, mais... Aïe. Oh là là. C'est encore le coin simulation qui mène la danse. Il y a des choses, hein. Ça va le stream, ça pixelise pas trop? Non, c'est bon, il fallait pas tuer. Là j'ai l'impression que c'est Prison Break Simulator. Et voilà, je suis plus premier. La, et voiture, voilà. La voiture s'est barrée comme sans que je fasse rien. Un bon jeu de merde, bien de faire. Allez. J'ai fait exactement la même qu'Andy. Ne voyant pas la route, j'ai été piégé avec la poussière. As-tu un message à toi à faire passer un coup de master? Vous faites des jeux de merde. Au pire, tu le verras quand tu rentres dans l'antenne. Ah, je sais pas. Je n'ai pas du tout le but. Je sais pas si on peut voir ça. Oui, normalement, je peux voir les données. Ah, ok. Spectateur moyen, spectateur en temps réel, etc. J'ai vu, enfin, j'ai vu. La solidité, machin, c'est ouf. Sur un site auto, on va monter de voir qu'on est. LOL. J'ai plus un doute de suite avec les gérants de Morin. Ah. Ce jeu est vraiment génial. Je m'amuse comme un petit. Waouh, la glisse est sensationnelle. La connexion aussi pour certains, parce que c'est transparent chez moi. Les sensations de conduite sont incroyables. J'ai l'impression d'avoir entre les mains un vrai volant. Eh ben quand même, sans deux résistants. Bravo monsieur. Pardon ? Ah, 103. J'ai encore 103 personnes qui résistent, c'est beau. Résistent ? Ils prouvent qu'ils existent. Oui, il y a pas. Putain, mais pourquoi j'ai regardé le chat ? Merde ! C'est fini dans le tour, on va prendre la première droite et mouvement. Putain, j'étais P2, je fais P4 quoi, merde. Sur quel jeu là? C'est sur Dirt 4. Hashtag le jeu de merde. César, pardon. César. Oh putain, oui. Ouah, paf, pif, paf. Ça a aucun sens, hein. Je suis bien content de ne pas l'avoir acheté. Mais non, mais
Mais tu ne comprends pas, Dirt c'est un super jeu, c'est juste que t'es un gros con, tu sais pas comment bien le régler et tout ça. Non! Google. Merde. Incroyable. J'en ai reçu des dizaines de messages comme ça, là. Genre qui disent, ah oh, mais c'est que tu sais pas le régler, en fait il est génial. Avec un petit punch, avec un petit peu de bif et du sacnif, c'est super bien. Avec ça, rhum coco. Putain. Un petit rhum coco. Jeu Alors, de merde. sinon, vous en pensez quoi de Kunos, pardon, qui a pas donné d'infos sur Assetto depuis quasiment un mois, mais qui poste un contrat d'embauche? Contrat d'embauche? Ah, j'ai pas suivi, là. Peut-être qu'ils sont en train de développer la version iPhone d'Assetto Corsa, on sait jamais. Ou C'est comme Code la Masters, VR? hein. Ils l'ont pas? Ils l'ont pas déjà? Si, ils l'ont bien sûr, mais c'était un des premiers d'ailleurs qui avait la VR au tout début, avec les premières vidéos qu'on voyait où le gars il sort de sa voiture à Monza Ah. avec l'Oculus. Alors qu'on me propose de On suivre fait un quoi, rallye du coup, c'est ça? certain. Propose de suivre un certain community manager sur Restroom, sur Twitter. Ah! Bah vas-y, hein. Non. Ça peut te servir pour 3 mois. Oh non, Voilà, le mec qui nous met du R2. Oh, il nous met du R5. oui, j'ai vu ça sur la page Facebook. Ah ben, je savais pas. Ah, elle est jolie la WD-40, tiens. Vas pouvoir dégraisser, mon gars. Et après, tu mettras le produit Pour racing, du parti. racing, pour nettoyer, et puis voilà. Il cherche quelqu'un qui parle bien italien. En même temps, c'est un studio italien, Kuno Simulazioni, donc c'est un peu Ma normal. tutto male, tutto va bene, sì, grazie mille per tutti, sì, ma che? Grazie Antonio. Ah, Massimo. Massimo qui est très certainement à l'heure actuelle en train de se taper des meufs en Italie. Ah, mais je vais tellement avoir un procès avec ce mec, j'en ai Ah. marre. Oh mais tu sais, hein. Tu dois avoir l'habitude de faire des procès. Tutto bene. JPP. Alors, le lien, il pourra pas le balancer ici parce que... Oh là là! 180 mètres de dénivelé! Mais non, c'est le Mont Ventoux! Ouais, faudra passer ce petit braquet, incroyable. En 5 km, ça va faire que descendre, hein. Ah putain, je suis tombé hier sur un jeu, enfin sur le jeu Tour de France sur le téléphone. Et là tu Oh dis putain. putain mais c'est horrible quoi. Graphiquement, ça doit être aussi beau que sur PC, non? C'est en 2D. Ah non, c'est nul à chier, c'est de cette côté en fait. Ah, comme C'est Ouais. en 2D de côté, c'est comme Mario en gros. Sauf que c'est nul à chier en fait, c'est vraiment, mais vraiment nul. C'est Eh pas que c'est mais gratuit, parce que si. une nuit des abonnés sur Mario Kart, lol. Placer Max ou le pilote en PLS. Suis sûr que ça pourrait être fun. De me mettre en PLS? Non, de jouer à Mario Kart. Oui. Bah, on va acheter la Switch, elle coûte quoi? 350 balles? Faites des dons. LOL! Des dons, ouais. Parce qu'à choisir entre la Switch ou la Wii U, je prends la Switch quoi. DLC Ferrari qui va Oh, je sortir. prends Ouais, Wii. mais pourtant je suis fan Ferrari, mais. Ah, c'est tout là, il est désinstallé. Fan, fan. Ah, mais je déprime pas les enfants. Y'a Engine le was nouveau misfiring. pack Yalla! Ferrari avec. Yalla! Y'a le nouveau pack Ferrari avec l'iPhone 2017 qui est peut-être à sortir normalement. Rien à foutre, comme disait une certaine émission. 5, 4, 3, 2, Hop, j'ai foutu le blanc. 1. Left 5, Bah don't nous, on est cut. au départ de la Right spéciale en fait. 4, don't cut. And left Ah! 3. And right 4, opens, J'adore don't le cut. rallye. Ils ont Left même fait 6, code pour into l'ouverture. right 5. Non mais c'est ça le Interpolation, problème, c'est que left perso j'aime 3, pas le rallye. keep in, narrows, right 2. Ah merci David. Left 4, crest, don't Je cut, vais l'entendre 30, caution, Neville le quickly turn upload de on the hairdrop. And C'est right 2 long, désabonner de tightens, don't cut. ma chaîne. Et il m'a envoyé les flics. Into, left Autoblistage des 3, potes. don't cut, Une petite right course en 3, F3 6, sur don't cut, Autoblista qui t'a right 2, la carte don't D. cut. C'est fun Autoblista. C'est Et moche mais c'est 2, fun. 60, don't cut, Hein? left C'est 3, moche mais c'est don't fun. cut. Crest, C'était right moins moche 4, qu'AirFactor don't 1. cut. Vu le jeu de Caution, base qu'ils left avaient, ils ont 2, réussi à faire des narrows, crest, merveilles. right 3, keep in, Surtout pour don't des cut. quotidiens. Into left 5, right 6,
Après, j'ai vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi j'ai dit ça? Bah oui, je ne sais pas. Mais non, mais je sais pas, c'est pas venu naturellement. Mais... je me dis, ça pourrait être drôle, finalement, pas du tout. Ah, j'ai une notification sur la vidéo. Alors, je cherche un jeune homme bon et gaillard, voilà quoi. Merci. Et pas le temps dans ce cas, je sais pas. Ça, je t'en veux pas, j'ai juste trouvé deux pour découvrir le rallye. Oui, c'est Richard Burns. Ah, téléphone vibre. J'ai la PS4 donc forcément, oui, moi c'est pareil. Keep right over crest. Keep middle over crests. 100 through dip. Keep right over crest. Right 3. 60. Don't cut. Non, right j'aurais two, jamais pu l'avoir. Don't cut. Right 2. Don't cut. Left 2. 60. Don't cut. Left 3. Don't cut. J'ai pas assez de volume dans les oreilles, j'entends pas les notes. Ah, et ben, je suis sorti vraiment droit que toi. Bah, le droit de 3, il est arrivé beaucoup trop tard dans les notes, donc right t'as pas le temps de traîner en fait. Into left, too long, opens. And turn open every right, 80. Left 3, don't cut. On pourrait installer RSRB, enfin Richard Burns pour la prochaine vidéo. Oui, non, mais... c'est pas Richard Burns, c'est RSRBR. Ah, oui. C'est basé sur Richard Burns. Pardon, je me permets parce que c'est pas le même. Parce que. C'est le même, ça c'est pas le bordel. Mais comment on installe ça, Maxou? Comment on fait pour mettre en plein écran? Mais les deux bases, même Richard Burns, c'est vraiment vieux, c'est le jeu de base. Déjà, c'est génial. Marie Kimi qui me met 2 dixièmes, je suis en 100. Nice one, we're done. Stage time. Ah, moi aussi, coco, j'étais sur PS4. Enfin, ça fait bizarre. J'étais sur PS4 aussi. Puis, Maxou m'a poussé vers le côté obscur. Ralenti vers le juge. Effectivement. Bon, bah voilà. Allez. Pas besoin de rien, envie. Pardon, parce que j'ai vu ça. Tu nous remets une spéciale et après on finit? Ouais, faut non, il faut attendre du coup. Ah, j'ai des sports, c'est pour les photos. C'est un très bon logiciel de photos. Je sais pas s'il faut attendre ou faut quitter, hein, j'en sais rien. Pourtant, j'ai commencé. On attend Noldi, mais il a abandonné, donc on va pouvoir continuer dans 15 secondes. Ah, c'est bon. J'ai commencé le Sim Racing avec Gran Turismo. Jadis. Un des premiers jeux, c'était PGR4. Sur Xbox 36. Bien nul à chier. C'est déjà blanc. Ah oh bah merde. Alors. Qu'est-ce que tu vas nous faire, mon petit Andy? Alors, je vous concocte une petite épreuve, pas piquer des dents. Mais il faut savoir que GT6 en fait, enfin GT Sport, il n'y a pas de mode solo. Il y a très très peu de courses en mode solo. Oui. Là c'est parce que je vois Solidarity, c'est ce qui marque. Lightroom Hall. Désolé les gars, mais j'ai du mal avec ce jeu. Il n'y a pas de soucis, Nolty, y a aucun problème. Hein. T'es pas le seul. Si je peux te rassurer, ouais. T'es vraiment pas le seul. Même nous, hein, c'est toujours en temps de chargement, hein, sinon ça va. On n'est pas bon, on essaie d'être le plus propre possible, c'est tout. Y a pas de. C'est pas parce que t'es mauvais que t'as pas le droit de jouer. Voilà, c'est prêt. C'est prêt. Comparé à ce que certains pensent. Attends. Voilà. Non. Attends, parce que je suis perdu dans ce menu de merde. Jérôme, t'as trouvé la sortie? Bah.
Oui, il tourne avec rien du tout. Ouais, la serviette, tu le fais tourner avec un... Une serviette. Voilà. Putain, tourne des serviettes. Oh là là, mais c'est pas possible. Avec un Raspberry Pi, tu le fais tourner sans problème. Eh, hey, on le dit, à part avec Sébastien, toi-même tu sais, hein. Les sardines. Les bons souvenirs dans la voiture. C'était quand même le comble d'avoir fait 8 heures de voiture et le moment où on tombe dans les bouchons, c'est 10 km avant d'arriver. C'est quand même sacrément con. C'est clair. Allez, ce sera la dernière parce que je commence un peu à fatiguer comme vous l'entendez et que la nuit a été courte la nuit dernière. La nuit est belle. Elle est sauvage. Couché à 1h, levé à 6. Ça pique un peu. 5 km 400, il a été gentil, il nous en a pas mis une de 8, sinon je l'aurais personnellement abattu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit oasis goût pomme, cassis, framboise. Avec plein de bifidus. Et des pousses de soja dans le fond pour absorber le gluten. Oui. Jean-Pierre Papa. JPP. Reviens, JPP, reviens. Tu veux que je te fasse un petit solo de guitare pour la fin du live? C'est non. Un petit Jean-Pierre Papa dans... Sinon le temps de chargement ça se passe ou c'est... On est sur PS2? C'est Enthousia sur PS2? Bah du coup Dylan, t'as gagné un abonné. T'as testé la PS2 ou pas du coup? Pas du tout. Très bien. Ah, vous avez été expulsé de la session. Eh ben c'est la fin de cette nuit des abonnés. Ah bon? C'est-à-dire que on a pas besoin de la faire? Bah on va pas la faire, non, si j'ai été exclu, ça sert à rien. Oh oui! Ah mais c'est. Qui met toute leur cartographie et tout. Et moi je suis mauvais en PC, c'est. Non mais faut que les gens arrêtent de sous prétexte que tu utilises un PC, tu sais, tu t'y connais quoi. Ah abusé le PC. Je connais que tu regardes, je vois des trucs ouais, le jeu est en PLS, on va le laisser finir sa vie hein, parce qu'évidemment j'ai un Western Digital Black et j'ai un SSD, mais ça suffit pas évidemment. C'est quoi ça? Voilà. Je connais pas. Moi je suis le vieux. Le vieux qui ne connaît pas, qui fait oh. Et oui, Enthusia, c'était le concurrent de Gran Turismo à l'époque sur PlayStation 2. Il y avait. Comment il s'appelait ça? J'en ai jamais entendu parler. Toka Race Driver aussi. Non, mais Enthusia, c'était sorti que sur PS2. Hein, et c'était vraiment magique. Ah. Il y a une couille qui a éclaté, qu'est-ce qui s'est passé? je connais pas ce que vous. Tu as entendu parler. Faut que je me renseigne sur le bail, c'est quoi le jeu? Enthusia, vous avez jamais entendu parler d'Enthusia? Elle m'a dit non. Et pourtant je suis rétro gamer, mais j'ai jamais entendu parler de. Il est chaud à trouver, hein. Il est sorti, c'était le concurrent direct de Gran Turismo 4. Dites-vous, quand il est sorti, il s'est fait poutrer, quoi. Ah, il est trouvable quand même. Bah, ça va. Hein? 10 boulets, il est trouvable. Ah oui, non, mais maintenant il vaut plus rien, quoi. 10 boulets. Ah oui, effectivement, ouais, c'était quand même très typé. C'était un. Perte 4 en PLS, plus Max sous le pilote en train de claquer le combo parfait. Bah écoutez, à un moment donné, je veux bien être gentil, mais si le jeu est fini au schnapps, on peut plus rien faire pour lui quoi. Ah, donc ça veut dire que je peux le redésinstaller, yes! Il est pourtant connu ce jeu, bah ouais. Bah attendez, je vais hop, gauler mon ami. Voilà, c'est pour ça que je disais les temps de chargement excessivement longs. Le TT, le Man Tourist Trophy. Je dirai ça quand Kiloton m'aura envoyé le jeu. Quoi? Je m'y attendais. Ça fait toujours un petit truc quand je désinstalle Dirt 4.1. Et... Non, pas d'RSRBR pour la prochaine nuit, c'est trop compliqué à mettre en place. Oui, la physique d'Enthusia était très très bonne, mais bon, le temps de chargement était interminable, quoi. Mais c'est quoi cette histoire de tout de man, je sais pas quoi, là? Il ressort un Tourist Trophy? Il y a un jeu Tourist Trophy qui va sortir ici à la rentrée, hein. Le jeu officiel du Tourist Trophy qui sort dans un mois et demi, deux mois. Ah oh mec, on en a parlé il y a moins d'un mois. Sérieux?
Bah oui. Ah bah, Tu sais que je devais aller à Paris pour le. Oui, c'est bon, ok, c'est Pour bon. le tester avec WRC7 et que j'ai pas pu. C'est juste. Ouais, je refuse des offres. Mais il faut que. Enfin, j'ai recontacté hier par mail Marie-Charlotte qui m'a confirmé qu'il y aura bien sur la chaîne, j'aurais bien du Tourist Trophy, un exemplaire et du WRC7. Donc il y en aura. J'espère que j'aurai fini la carrière d'ici là. La carrière d'Earth Rally, comme ça on fait une transition. Il y aura toujours du rallye sur la chaîne, mais il y aura un autre jeu. Voilà. Oh! Ah oui, il était bon, Tourist Trophy. Tu commençais en scooter là, MDR. Ouais, Tourist Trophy que j'ai. Ah, Tourist Trophy était très très bien, hein. Mais Ah très très long, hein. C'était aussi. Enfin, bah avec les permis, machin. c'est-à-dire que face à un Gran Turismo. Bah il va concurrencer Ride 2 qui. Enfin Ride qui était beau, qui était bon, mais bon le. Beau. Tu prends une moto, bah Le sur 2 était PS4, moi beau, je le parle. premier était dégueulasse. Hein. Ah oui. Tu prends une moto et par exemple, tu prends une Kawa et à la photo c'était une CBA qui disait ah non mais on va tout corriger. Ils ont tout laissé comme ça. Ils Comme ont le fait 1. beaucoup de bêtises. Hein. Raid. Oh Ouais. oui. Ne fût-ce qu'au niveau des sons, des moteurs qui avaient aucun sens. Après, je dis pas, moi, Ride 1, je me suis beaucoup amusé quand même dessus. Hein. J'ai joué un peu, je me suis quand même beaucoup amusé. Ah, moi aussi, hein, j'ai pas dit qu'il était mauvais, hein, j'ai juste dit que c'était un scandale, quoi. Mais en tant que non-connaisseur de moto, moi, je me suis juste amusé parce que c'était fun. Pas parce que je regardais le détaillé. Attends, Tourist Trophy, si tu peux régler comme avant, c'est top. Moi, j'adore la moto. Yes! Bah écoutez, c'est pas que je m'ennuie, mais je vais devoir malheureusement vous laisser. Ah, ça a coupé. Ah, Jérôme! Ah, T'as reçu les ouais. photos? Ah, j'ai reçu. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un terme à cette nuit des abonnés, qui s'est très bien déroulée dans sa première moitié. La deuxième moitié était plus compliquée, on était un peu plus mou, veuillez nous en excuser, mais c'est pas toujours simple. On a eu des petits soucis techniques également, donc ça n'a pas été tip top. On a testé iRacing, je pense que c'est une première qui était pas trop bonne personnellement, donc on va peut-être voir si voilà, si on refait ou pas le coup de jouer à iRacing comme ça, ou alors on va devoir le préparer à l'avance. Je vous avoue que la nuit des abonnés a été faite un petit peu sur le tard, donc désolé si c'était un petit peu plus vulgaire, un peu plus de rage, un peu plus de schnaps, mais ça fait aussi un décalage avec ce qui a été fait habituellement en live avec les commentaires où je suis sérieux, je dis pas de choses. Là, je dis le chat, je dis des bêtises, on est à 3, on s'amuse, vous êtes avec nous. Voilà, vous avez été, oui, on va dire près de 400, hein, 380, 90. C'était prévu il y a 2 jours, je crois, 3 jours, Oui, pas ça a été plus. fait il y a 3 jours, oui, parce que ça devait être fait rapidement, sinon je ne pouvais plus en faire en fait avant pas mal de semaines. Parce que en fait, je n'ai pas la garantie de pouvoir faire celle qui arrivera fin du mois, donc j'ai voulu en faire une quand même au mois d'août, comme j'avais promis d'en faire au moins deux pendant les vacances. Il y a eu celle pré-24 heures de spa et celle post-24 heures de spa, donc j'en ai au moins fait deux avec vous. Messieurs, merci beaucoup. Oh, de rien. Et Merci. bah voilà. Désolé pour l'aérage et tout ça, mais ça. Ça fait partie de l'affaire. Et puis voilà, on est tombé face à des problèmes qu'on n'avait pas forcément prévus, ce qui a un peu réduit la fluidité du live. Mais c'est pas grave, globalement c'était bon. Écoutez, je vais essayer de voir si je peux corriger le décalage du son, si possibilité il y a. Si pas, bah, la VOD sera dispo sur YouTube. Faut savoir que là, je sais pas, j'ai un. Faut savoir que là, j'ai une VOD de 59 Go. Ah, pardon. Pardon, attendez, je vais vérifier. Ah! Il y avait un 2 devant. Il y avait 141 gigas. Oh, ce seum! Voilà, donc elle sera en traitement sur YouTube. Je vais voir si je peux exporter des vidéos sur YouTube. Si pas, ça va être du 720-60 en VOD. Merci à tous ceux qui étaient là sur le.
sur le chat. Merci à tous ceux qui ont animé les courses. Merci à ceux qui ont pu rouler avec nous. Désolé à Zoltan parce que forcément, ouais. Assetto Corsa était un peu merdique, donc on n'a pas pu faire grand chose. Voilà, merci à tous ceux qui ont fait des dons. Vous avez été très généreux encore. Merci beaucoup ce soir. Grâce à vous, on va pouvoir continuer à avancer. Et bah, merci pour ça. Et voilà, merci à Emeric et Andy d'avoir assuré les côtés techniques et d'avoir animé aussi la discussion sur le tofu hein, qui était. Neuville aussi. Merci vital. Merci à Neuville, effectivement, qui était là. Merci à Témano qui est bonjour, qui a fait salut, je suis pas mort et qui est parti. Donc merci à Témano aussi. Voilà, donc merci à tous ceux qui étaient là-haut sur le chat. Merci à tous ceux qui étaient à côté. Et merci surtout à Come to You, parce qu'on a, voilà, on les a mentionnés au début du live, on les mentionne aussi à la fin. Et voilà. Donc du coup, non, je déconne, j'ai pas 140 gigas, arrêtez, j'ai 140 frames encodés, mais je crois que je suis à, 50. Tu parles chinois pour moi, tu parles chinois. Bon allez, messieurs, une bonne soirée. Allez, ouais, la bise. La même. Salut. Hein. Allez, salut tout le monde. Et nous, eh bien, du côté du live, on va arrêter les frais ici. Merci à tous et rendez-vous donc très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube et sur... Eh bien, d'autres nuits des abonnés, d'autres directs. On se donne rendez-vous le 19, c'est samedi prochain, où il y aura un live assez particulier. Je ne peux pas encore vous en parler, mais comme je vous l'ai dit, ça concerne une équipe de Formule 1 connue, où roule un certain pilote espagnol et un certain pilote belge. Mais voilà. Teasing. Allez, à la prochaine et passez une bonne fin de nuit. Salut! We'll be right back.